أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. La chose la plus importante, la chose pour laquelle nous avons été créés, et à l'inverse, la pire chose que l'on puisse faire. La chose la plus importante est représentée par une sourate que vous connaissez tous et toutes, mes frères, qui est « Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad » dit « Allah est l'unique ». Cette sourate, on l'appelle suratul ikhlas, la sourate de l'Ikhlas. Dans l'Ikhlas, on a deux notions. L'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal et d'autre part, la sincérité de l'adorateur. C'est deux dimensions qui doivent être forcément ensemble. Ce n'est pas que la sincérité. C'est la sincérité et l'unicité absolue d'Allah. Et on a l'inverse, ce qu'on appelle en arabe « al-shirk », que l'on traduira notamment en français par le polythéisme. Nous allons voir la gravité de cela. Et nous allons comprendre que c'est comme si nous avions une foi qui est en bois, avec une maison de bois, et que le shirk, le polythéisme, c'est du feu. Et que tu auras beau faire des étages et des étages et des étages sur ta maison, si le feu la touche, il pourra la détruire complètement et ne laisser que des cendres, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jal nous dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Certes, alors c'est la certitude, hein, inna, et c'est Allah qui parle lui-même, dans le sens, certes Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui fasse, qu'on lui donne des associés, qu'on fasse œuvre de shirk, de polythéisme. Donc c'est quoi le polythéisme? Il va falloir qu'on réponde à cette question-là, d'accord? Il ne pardonne pas si on meurt sur cela, si on s'est repenti avant, c'est bon, alhamdoulilah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Certes Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on fasse œuvre de polythéisme. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى. Mais tout ce qui est en dessous du shirk, il pardonne ce qu'il veut, à qui il veut. T'as vu? Allah Azza wa Jal nous montre que c'est lui qui décide. Et ensuite il conclut, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et quant à celui ou celle qui fait œuvre de polythéisme, il s'est égaré d'un égarement extrêmement loin de la vérité. C'est une menace qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Le shirk fait partie d'une famille, de mauvaises choses. Le plus petit de cette famille s'appelle as-sara'ir, les péchés mineurs. Les péchés mineurs, pour être pardonnés, il suffit de se repentir à Allah Azza wa Jal, sincèrement, et on a même certaines actions qui vont automatiquement effacer ces péchés mineurs sans même pouvoir les compter. Le Jumu'ah au Jumu'ah, quand tu fais le Jumu'ah entre deux semaines, entre le Jumu'ah et celui de la semaine d'après, eh bien les péchés mineurs sont pardonnés, si tu as été sincère. Entre deux Ramadan, les péchés mineurs peuvent être pardonnés, si tu as été sincère. Entre la Umrah et une autre Umrah, les péchés mineurs peuvent être pardonnés, si tu as été sincère. Ensuite, on a El-Kaba'ir, les péchés majeurs. Ceux-là, il faut absolument un repentir avant sa mort, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, Allah pourra te pardonner ou pourra te châtier. Ensuite, au plus haut degré des kaba'ir, des grands péchés, nous avons ce qu'on appelle « shirkul asrar », le polythéisme mineur. Il détruit une grande part des actions qu'Allah nous préserve, mais on reste encore musulman. Ensuite, on a une limite, c'est la limite de la foi. Et au-dessus, là, au-dessus, on a « shirkul akbar », le polythéisme majeur. Qu'Allah nous préserve, c'est un polythéisme qui peut faire sortir de l'islam. Il faut néanmoins, pour dire qu'une personne est sortie de l'islam à cause d'un polythéisme majeur, revenir aux savants, qui sont les seuls habilités à donner la fatwa et à dire que telle personne est sortie ou non de l'islam. Ça nous enseigne quoi? Le plus important pourquoi tu as été créé, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal lui seul. Et le plus grand des dangers, c'est le polythéisme. C'est bon?
Et si on a compris cela, on a tout compris. Si on n'a pas compris cela, excusez-moi de vous le dire, on n'a rien compris. Qu'Allah nous donne une compréhension saine, Ya Rabbal Alamin, qu'il nous éloigne de toute forme du polythéisme et nous accorde l'ikhlas, l'unicité absolue, dans la sincérité et l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallaha an yubarik fi ilmina jami'an ya rabbal alamin. On demande à Allah de mettre la bénédiction dans notre connaissance ya rabb wa an yaghfira lana jami'an et qu'il nous pardonne à tous. Hadha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب